بلاد الدين والعلماء اللي صارك بلاد ما دسم الله لبداكنا On ne présente pas Constantine. Elle se présente et l'on salue. Elle se découvre et nous découvrons. Elle éclate comme un regard à l'aurore et court sur l'horizon qu'elle étonne et soulève. La cité phénomène, Constantine l'étrange, gardée par un serpent qui se roulerait à ses pieds, par le Rumel, le fantastique Rumel. Fleuve d'enfer coulant au fond d'un abîme rouge, comme si les flammes éternelles l'avaient brûlée. Il fait une île de sa vie, ce fleuve jaloux et surprenant. Il l'entoure d'un gouffre terrible et tortueux, aux rocs éclatants et bizarres, aux murailles droites et dentelées. La cité, disent les Arabes, a l'air d'un burnous étendu. Ils l'appellent Bled l'Hawa, la cité de l'air, la cité du ravin, la cité des passions. Elle domine des vallées admirables, pleines de ruines romaines, d'aqueducs aux arcades géantes, pleines aussi d'une merveilleuse végétation. Elle est dominée par les hauteurs du Mansoura et de Sidim Sid. Sirta l'Antique n'a pas d'égal dans le monde. Sa beauté, sa grandeur et son raffinement sont reconnus par tous. C'est l'une des plus vieilles cités du monde. Elle fut la plus importante ville phénicienne, devenue capitale du royaume de la Numidie unifiée sous le règne de Massinissa. Constantine est le nom que porte la capitale de l'Est algérien depuis 17 siècles, du nom de l'empereur Constantin Ier, dont la statue fut érigée en face de la gare. Juchée sur le vieux rocher, des siècles et des civilisations se sont succédés pour imprégner leur sceau particulier à une ville ô combien convoitée, remarquable et fascinante. Que de trésors érigés. La Casbah avec ses petites ruelles, ses marchands, le monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Ce monument est construit sur le rocher de Sidim Sid. C'est un arc de triomphe, réplique de celui érigé au milieu des ruines de Timgad. Le palais d'Ahmed Bey est un luxueux palais, construit en 1826, par le dernier bey de Constantine. Joyeux d'architecture et de délicates décorations. Jardins, cours intérieurs, fontaines et jets d'eau, portes en bois précieux, artistement sculptés. Des murs ornés de zellij, on retrouve les spécificités des maisons mauresques. Srifa, Drabzi, Ustaddar, Menzah.
Ahmed Bey reste dans la mémoire collective comme étant le Bey qui défendit la ville avec courage et bravoure jusqu'au bout. On peut se promener sur la route de la Corniche, tout au long du boulevard des Abîmes, emprunter le chemin des touristes pour longer les gorges du Rumel, ou encore prendre le téléphérique avec lequel les Dlémettes peuvent être aperçus le temps de quelques secondes. Constantine doit son originalité et sa plus belle métaphore, ville des ponts, Medine Tel Jusur, à ses 7 ponts. Le plus ancien étant celui d'Alcantara, le pont des chutes. C'est à la sortie de ce pont qu'aboutit le célèbre chemin des touristes, le pont du diable. La passerelle Melleh Slimane, anciennement Périgou. Gantert Sansour, cette passerelle piétonne relie la gare au centre-ville. Le pont de Sidim Sid, un pont suspendu qui relie la Kasbah à l'hôpital civil. Le pont de Sidi Rached, qui relie la rive gauche à la rive droite de Constantine. Il a longtemps joui du statut du pont en pierre le plus célèbre au monde, avec sa courbe majestueuse, long de 447 mètres. Il se déploie en 27 arcs. Et enfin, le dernier, le pont de Salah Bey, le plus long, 756 mètres. Il fut inauguré en 2014. La mosquée Emir Abdelkader est la 11e plus grande mosquée au monde, de style arabo-musulman, moderne, inaugurée en 1994. Constantine et sa région regroupent un grand nombre d'activités artisanales, de toutes sortes. Parmi lesquelles, la dinanderie. Elle s'appuie sur le travail de la feuille de cuivre et sa transformation en article utilitaire ou simplement décoratif. Les plus célèbres sont les plateaux Sni ou Sniwa, le Marash, le Qattar. C'est avec le Qattar, l'alambic, que la tradition intemporelle de la distillation de l'eau de rose et de la fleur d'oranger se fait à chaque printemps, selon un rituel bien précis au bout duquel on obtient des mrelfet, des bouteilles bien spécifiques recouvertes d'osier remplies d'eau de rose, zhar ou l'alward. Les premières essences recueillies sont soigneusement gardées. On appelle ça Ras al-Qattar, pour les grandes occasions. Souvent, la cérémonie de la distillation
est jumelé avec une autre activité, telle que les grandes lessives ou alors le roulage du couscous. La fête de la distillation, c'est aussi l'occasion de revisiter l'art culinaire de la cité bimillénaire. L'eau de fleur d'oranger et de rose étant très présent dans sa gastronomie locale, notamment dans la préparation de ses gâteaux célèbres, tels que le baklawa, jawziya, ghribiya, mqroud, tamin telouz, et notamment un plat typique de la région qui s'appelle smat. Quant à sa célèbre soupe, shorba frik, jerry, elle est classée 6e meilleure soupe au monde. N'oublions pas tchertchoucha, trida, tlitli, lemchelouch, shbah safra, tajin choua, attbih, gritilia et bien d'autres mets délicieux et raffinés. Maha wahwaha ou tahfet nsaha. Autre spécificité de Mdine Tlahwa, c'est sa gandoura et sa célèbre mleya. La gandoura constantinoise est travaillée dans la pure tradition. Elle se démarque par sa magnificence. On la reconnaît à son tissu traditionnel, fait de velours épais et de broderies en arabesque, appelée fitla ou mjdoub, faite de fil d'or. Elle est aussi onéreuse qu'un bijou en or, richement travaillé. C'est la pièce maîtresse lors des mariages. Elle ne peut être portée sans une panoplie de bijoux traditionnels, spécifiques eux aussi. Mhazmet Louise, ceinture de louis d'or, le mkhabbel, gros collier, souvent orné de jawhar, des perles blanches, le mqaïs, c'est des bracelets, finement ciselés, parfois incrustés de pierres précieuses, le khlakhel, les anneaux de cheville, le sreb, à la fois bijoux et parfum. C'est un collier en forme de cascade souple, de petites perles noires, faites à base de pâte d'ambre, à laquelle est incorporée divers essences, au bout duquel est incorporée en sus une miskiya, un petit médaillon en or ciselé, souvent filigrane, le tout formant un gros sautoir. Souvent, ce sont des bijoux en filigrane créés par des orfèvres qui ont laissé de grands noms dans la ville, tels que Belmeri, Belklara. L'artisanat à Constantine doit beaucoup à la présence des Juifs et à leur savoir-faire. Quant à la mleya, la légende veut qu'elle fut portée par les Constantinoises en signe de deuil après la mort de Salah Bey. De tout temps, Constantine a été une terre de refuge pour les âmes et les arts. Elle a été un carrefour d'échanges culturels. Son importance historique et sa proximité avec le Beylik de Tunis en font le pôle principal regroupant le patrimoine immatériel de cette région. Le malouf, une branche des musiques arabo-andalouses aux couleurs locales, constitue la musique savante de la cité. La nouba et ses cinq mouvements dans le bashraf, pièce instrumentale d'ouverture, est le plus caractéristique. Basé sur un patrimoine lyrique constitué de Mouachahat et Esjel. Ses thèmes récurrents sont la nature, l'amour et les plaisirs de la vie. Parmi les grands maîtres du Malouf, on peut citer Cheikh Nassim Boukebous, Cheikh Jacob Nabet, Cheikh Taha Ben Qartoussa et Cheikh Abdelkrim Stanji. We'll be right back.
Le zajel, style musical proche du malouf, se distingue par un corpus lyrique à base d'esjel et prend appui dans son exécution sur les percussions et les chœurs. Il est fortement lié à l'univers des Fnadq et Hchaïchia. Cheikh Qara Barli, Abdelrahman, Cheikh Ma'ammar Barrachi et Cheikh Omar Bouhawala sont parmi les plus grands maîtres du Zajel au début du XXe siècle. Le Mahjouz tire son origine du folklore régional. Basé sur une poésie populaire, le Melhoun, il est caractérisé par un rythme rapide et dansant, suivi généralement par un zindali. Cheikh Ben Misbah et Cheikh Omar Chaqleb restent des figures incontournables de ce style. Le Haouzi, issu de Tlemcen, qui se base également sur la poésie populaire du Melhoun, a été rapidement adopté par Constantine. Les poésies de Ben Sehla et Ben Triki ont été appréciées dès le début du XXe siècle à travers les voix de Cheikh El-Baydi et Cheikh Hammou Fergani. Le répertoire sacré et religieux est très présent à Constantine. Il reste très attaché aux structures religieuses des Zaouias. Reprenant les modes musicaux du Malouf et se déroulant au cours de séances appelées l'Hadra, autour de la figure tutélaire du Cheikh Amel, on l'appelle communément Issawa. Les figures de Sid Ahmed Mousli, Cheikh Mohamed Ben Jelloul et Cheikh Belkacem reste profondément lié à ces pratiques. Les chants féminins se déclinent en deux filières. Les chants sacrés sont pratiqués par des orchestres féminins appelés frirat, s'accompagnant à l'aide d'instruments de percussion uniquement. Leur répertoire reste populaire. Les bennotettes,
utilise en plus des instruments à cordes et alterne entre Hawzi, Mahjouz et Mdih. Les chants féminins sont liés à la famille Qarabghli et Jawr Kahla, Jawr Qmet Issani et Hadja Zhor Fergani. Raymond Liris est né en 1926. Il s'initie au sein des Fnadaq aux côtés des maîtres musulmans tels que Cheikh Ben Qartousa Tahar et Cheikh Omar Chaqleb. De par son style musical et ses capacités vocales, il sera le premier à constituer un orchestre stable qui profitera de l'exposition radiophonique à travers l'émission Huna Qasantina, présentée par Si Ahmed Ammar Bourghoud et dirigée par Sil Khouja Boulbina. Assassiné en 1961, en pleine guerre d'Algérie, son empreinte demeure toujours vivante. Mohamed Tahar Fergani est considéré comme étant la voix du Malouf. Né à Constantine en 1928, il s'initie d'abord à la musique orientale au sein de l'association Levée de l'Aurore, ainsi que l'orchestre du grand compositeur El Hamraoui Missoum. Aux côtés de Si Hassouna, Ali Khouja et Qarabghli Abdelrahman, il se forme aux musiques citadines constantinoises. Sa capacité d'apprentissage et ses qualités vocales et instrumentales lui assurent une place de choix dans l'histoire des musiques constantinoises. We'll be right back.
Constantine, toujours debout, nonobstant les vicissitudes mouvementées de l'histoire, elle interpelle les siens pour sauvegarder son identité et s'ouvrir à la modernité.